Il part encore celui-là. La claquette de Bizot qui a un peu manqué. Et ça rend dans l'espace. Oh, l'erreur de Brest qui remet la balle dans la surface de réparation. Ça fait un 0. Quart d'heure de jeu, Boukhari. Ah. Oh, c'est bien joué. Oh, Goebbels sur son côté. Le centre, il est haut pour Kolo Muani. Et la tête. Et la tête, le 2-0. Oh, elle est belle. Elle est belle pour Goebbels. Le centre enchaîné. Le deuxième centre. Et Kolo Muani en deux fois. Et ça fait 3-0. Oh, les Nantais sont déchaînés cet après-midi du côté de Francis Leblay. Le doublé pour Kolo Muani en l'espace de 5 minutes. Allez, Blassou. Et ouverture du score, 21ème minute de jeu. Ludovic Blas, 1-0 pour Nantes face à Saint-Etienne sur ce coup franc direct. Non ! Oh non ! Le but contre notre camp ! À la 76ème minute de jeu, Wagué. Oh, le manque de chance. Ça, c'est bien joué. Avec Pereira Dessa. Oh, Koulibaly, applique-toi! Applique-toi, Koulibaly! Et le 2-1 dans le temps additionnel! Il récupère tranquille. Avec Simon. En deux temps! Et c'est l'ouverture du score! Qu'est-ce qu'on en met des buts en deux temps en ce moment? Ça a été compliqué. On a pris le but face à Strasbourg dans les 6 premières minutes de jeu. On a galéré à égaliser jusqu'à la 81e minute de jeu, un truc comme ça. On a eu chaud aux fesses, on aurait pu se prendre à 3 ou 4-0 face à Strasbourg, ça aurait pas été étonnant, ils ont fini avec 12 tirs, nous avec 6. Ça a été très très chaud. Lyon qui gagne, du coup qui revient à 1 point de nous, décidément. Salut tout le monde, c'est Raph PES, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On continue notre aventure avec le FC Nantes, épisode 7 si je me trompe pas déjà. Vous le voyez en bas de l'écran, aujourd'hui on va faire 3 matchs, on va pas en faire 4. On va faire 3 matchs, donc un derby, enfin c'est un peu un derby, donc une confrontation face à nos rivaux, l'Angesco. Vous voyez que le logo d'Angers a rechangé. J'avais le bon sur l'épisode précédent, mais il a rechangé en faisant la mise à jour du Virtua Red Patch. Là, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez dû voir sur Twitter que je vous ai parlé du PES Dream Patch. Je vais essayer de l'installer, mais si par exemple ça fait trop de conflits, etc., je remettrai le Virtua Red Patch au niveau des ID des joueurs, etc., parce que ça peut faire, ça peut fausser certaines choses. Donc, match face à Angers aujourd'hui, match face à Metz à domicile, match face à Lorient à l'extérieur. Donc Angers, Metz, Lorient, qui est le moins bien classé? C'est Lorient. On passera le match face à Lorient, je pense. Lorient est à l'extérieur, ça nous fait un match à Angers, un match extérieur, un match à domicile. Angers, ils sont classés combien? Angers classé 11e, après on joue contre le 13e et le 14e. Donc on joue vraiment le ventre mou du tableau. Pour l'instant, on est toujours à notre deuxième place. On a 13 points de retard sur le Paris Saint-Germain déjà avec 14 victoires et 1 nul. Nous, on est à 8 victoires, 6 nuls, 1 défaite. On n'a pas beaucoup de défaites, mais on a beaucoup fait de nuls. On a 6 nuls, c'est sûrement beaucoup trop sur le peu de matchs qu'on a joué depuis le début de saison. Au niveau des négociations, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. Il y a des joueurs du côté d'Offenheim qui m'intéressent et il y a des joueurs du côté de Lens. Donc là, on va arriver au mercato. L'épisode prochain, on arrivera au mercato. Donc ça va passer très vite. Et donc au niveau du mercato, je vais vous montrer les joueurs que j'ai trouvés. Donc pas les noms du joueur, le club on va mettre directement. On va mettre Lens. Moi j'ai pensé à des milieux du côté de Lens et en milieu j'ai pensé à Jonathan Klaus, évidemment, qui fait une saison dantesque au FC Nantes et au RC Lens pardon, et qui dans le jeu avec Lens n'est pas si mauvais que ça en ce moment. Donc il y a Calcutta qui est un peu trop mal malheureusement, mais Jonathan Klaus ça peut être intéressant. Donc ça c'est le joueur que j'ai trouvé qui peut être intéressant et qui pour moi correspond au style du FC Nantes du côté du RC Lens. Donc celui-là on va l'ajouter au joueur listé. Du côté de Lens c'était tout. Et du côté d'Offenheim, donc je vais vous montrer. Hop 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 hop, hop. On descend à Offenheim. Ah là 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 là. Offenheim, c'était un attaquant qui m'intéressait. C'était Bebou du côté d'Offenheim qui a 27 ans. Après, est-ce qu'il peut venir? Ça peut être compliqué, parce que 67 de général, c'est quand même leur attaquant principal, enfin, ailier principal. Il y a Kramaric, mais ça, c'est même pas la peine d'y penser. Et le dernier joueur que j'avais trouvé, c'était du côté du championnat écossais au Hibernian FC. C'est Arlberg, il a 26 ans, il a 56 de général, mais vous le savez, du coup, le général est redescendu avec le patch que j'ai. Il est sur une moyenne stable, et je trouvais juste ses stats intéressantes, en fait, et les postes qu'il peut occuper, donc MO et MLG, donc ça pourrait être une doublure de Coco au milieu.
Donc c'est pour ça que je pensais à celui-là. Donc celui-là, je vais le mettre aussi dans les joueurs listés. Donc ça, il y en avait trois comme ça que j'avais vu. Après, je me suis pas penché sur l'équipe jeune non plus. L'équipe jeune, peut-être qu'on a des pépites, mais je n'ai pas regardé plus que ça en détail. Il faudrait que je me penche dessus entre cet épisode et le prochain. En tout cas, pour l'instant, j'avais ces trois-là. Donc, ou pas, je fais ou non une demande de négociation de transfert, je sais pas. C'est pour ça aussi que cet épisode, j'ai décidé de faire que 3 matchs. Puisque comme ça, quand on reprend la semaine prochaine, on a le match face à Lyon. Et comme ça, je pourrais avoir votre avis et pouvoir envoyer des offres avant l'ouverture de la période des transferts. Et comme ça, la semaine prochaine, on se fait Lyon, Reims, Lille. Et Lille en Coupe de France d'ailleurs. La composition pour ce derby, cette rivalité face au SCO d'Angers, compo qui a très peu changé. J'avais oublié, on avait Blas qui est blessé encore une journée. Donc Lafond-Ouague, Palois, Traoré, Appia. Ensuite, Moutu Samy et André Giroto. Pereira Dessa en milieu haut, puisque bah, forcément on n'a plus notre ami Blas. Marcus Coco à droite, Simon à gauche et Colomoini en pointe. Toujours un banc fourni hein, avec Castelletto, Moustache, Corchia, William Cyprien, Ba, Ndilu, Limbombe, Boukari, Merlin. Limbombe, je vais sûrement le refaire jouer aussi, mais là je ne l'ai pas mis titulaire, puisque vous voyez sa flèche est descendante, alors qu'on a un Coco en forme et un Mosseyman en forme et avec une flèche médiane, on va dire, une flèche moyenne. Par contre, on a tout le côté gauche, là, André Giroto, Traoré, Palois, Lafond, où les flèches sont presque au max, voire au max, et on a Coco et Lafond qui sont très à fond, ça doit les booster de jouer ce derby en Capitana. Est-ce que, je ne sais plus si je l'avais changé, je l'avais fait avec l'Atlético, mais là, c'est Lafond qui est capitaine, je mettrais bien Palois. On va mettre Palois en capitaine. Et on va essayer de faire rentrer Limbombe dans ce match au niveau des maillots. On va peut-être laisser comme ça, mais on va pas jouer en. On va jouer en jaune à Angers. On est parti du côté du stade Raymond Coppa pour ce match face à Angers. Allez, on est à Angers pour ce match. Une belle pelouse au stade Raymond Coppa qui est actuellement, vous le savez, en travaux. Il est en train d'être agrandi. Ce n'est pas le cas dans le jeu vidéo. Là, on nous a pas fait les stades avec les ajouts, en tout cas du côté du SCO d'Angers. Mais on a un joli stade avec une belle pelouse, des magnifiques patchs qui nous permettent d'avoir tout ça. Donc je vous laisse aussi un petit peu en profiter à certains matchs. Et là, le stade du SCO d'Angers, c'est l'occasion puisqu'il est bien modélisé. Il est bien bien modélisé. Il y avait même dans le rond central la bâche Le Gaulois au tout début, là sur le premier plan de ce début de match. Et les Angevins qui se motivent pour ce match. Mangani, Manso, déjà on les voit sur le terrain. Alors, Bernardoni, Manso, Traoré, Thomas, Fulghini, Mangani, Mandanda, Capel, Thiam, Mathias Lage, Bauken et Shaw. Bauken c'est très bon. Fulghini, Mangani au milieu, c'est très solide du côté d'Angers. Angers c'est une équipe, je vous l'avoue, quand j'ai commencé cette Ligue des Masters avec le FC Nantes, en fait quand je commence la Ligue des Masters, je fais plusieurs matchs avec plusieurs équipes pour voir laquelle je trouve la plus sympa à jouer. Et aussi un des critère que je rentre en compte, c'est, et c'est bête, enfin, c'est bête, mais c'est que moi, c'est le stade. Si le stade est modélisé, s'il est bien modélisé, pour vous offrir des jolis plans et des belles miniatures. Et j'avais longtemps hésité entre le FC Nantes et le SCO d'Angers. Finalement, mon choix s'est porté sur le FC Nantes. Peut-être que l'année prochaine, ça sera Angers, je ne sais pas. En tout cas, j'ai choisi Nantes, et là, et ben, faut battre Angers pour glaner des points. Et ça commence avec cette ouverture pour Mathias Lage. Et cet arrêt, on est en difficulté avec les Nantais pour l'instant, puisque Angers met la pression totale et ils sont là dès les abords de notre surface. Là, on n'arrive pas à sortir pour l'instant, ou alors si on sort, c'est sur un coup de chance. Voilà, frappe enchaînée. Oh, l'arrêt en. Oh, on n'a pas réussi à frapper la deuxième fois. Ah, oh, là là là. On avait tenté le petit lob avec Moses Simon, c'est pas passé. Et la deuxième attaque coup sur coup avec cette longue frappe et l'arrêt de Bernardoni, mais derrière on n'arrive pas à venir tirer avec Blas, avec Coco sur le côté pardon. Et on a l'écran géant du stade dans la tronche. Allez, Coco pour la tête pour se rattraper, non. Oh, il est bien frappé. Oh, il est bien frappé. Oh, l'arrêt sur la ligne de Bernardoni. Et j'ai fait une frappe que je voulais pas faire. 0-0, 7 tirs en première mi-temps de notre côté, 4 cadrés et un Bernardoni qui pour l'instant sauve les Angevins. Avec Palois.
Oh, bien joué! Oh oui! Et l'ouverture du score, c'est mérité pour le FC Nantes. Ça fait 20 minutes qu'on domine ce SCO d'Angers. Et Colomoigny qui nous permet de prendre l'avantage. Oh oui, c'est mérité. Là, c'est mérité sur les dernières minutes. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de coupures sur les derniers instants de la première mi-temps. Et là, cette action toute tranquille et parfaite. Oh oui, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Et quelle action, le doublé. Ah non, c'est Simon. Non, c'est le doublé. C'est Colomoigny. Quelle action. Et ça fait 2-0 pour Nantes. Oh oui, elle est parfaite celle-là. Celle-là, elle est parfaite. Ça joue en une touche de balle. Et juste à la limite du hors-jeu, Colomoigny qui vient déglinguer le même côté du but de Bernardoni sur son côté gauche. Et ça fait 2-0 face à Angers. Parfait. Ah, ça c'était compliqué. Oh, par contre, c'est vite récupéré. Et il est dans l'espace, Colo. Il est dans l'espace. Oh oui! Ça fait 3-0! Et ça déroule du côté du FC Nantes. Et c'est le but pour Nicolas Palois qui est monté. Le défenseur, 60e minute de jeu. On va faire des changements, évidemment. On va faire entrer Limbaume sur le côté gauche. Oh là, on déroule Angers qui a pris l'eau. Angers a pris l'eau en l'espace de quelques temps et la passe de Colomoigny est parfaite. Elle est juste déposée pour Nicolas Palois. Et c'est parfait, ça fait 3-0. Et encore une récupération avec Pereira Dessa. Il a la place là-haut pour Limbombe. Limbombe qui va avoir le temps de centrer. Oh, ça a failli faire 4-0. Ouais, 4-0. Et c'est Palois qui s'y reprend. C'est Palois qui s'y reprend à 3 fois face à Bernardoni. Et là, en l'espace d'un quart d'heure, on a tué les Angevins, mais violent. Doublé pour Colomoigny, doublé pour Nicolas Palois. Et Angers qui est complètement sous l'eau. Et ça risque de ne pas être fini. Ah ouais, il a fait double arrêt Bernardoni, mais le troisième, il ne peut rien faire malheureusement. J'y ai pas cru, je pensais que ça allait finir dans le filet, dans le petit filet. Et finalement, non, mais trois arrêts, deux arrêts consécutifs. Et il ne peut pas sauver la troisième, et pourtant la troisième, celle qui est le plus en angle mort. On va faire entrer bas et on va faire entrer. On a encore un emplacement. On va faire souffler Coco sur le côté. C'est un de fatiguer nos attaquants là. Nos défenseurs ne travaillent pas. C'est même Nicolas Palois qui vient marquer des buts. Donc autant dire que la défense n'a pas beaucoup de boulot. Et on est en train de faire un match incroyable face à nos amis, à nos rivaux Angers. Oh là, la récupération encore. Et bas qui est en forme. Forcément, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Oh, la contre-attaque. Oh, la contre-attaque, elle peut faire mal. Applique-toi, mon garçon. Et ça fait 5-0. Oh là là, il a remonté tout le terrain tout seul. 87e ligne de jeu. Et Bach met le 5e but face à Angers à l'extérieur. Oh, c'est dur pour le SCO d'Angers à domicile. Oh là 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 là, la tollée. On met plus de buts en un match qu'en 3 épisodes. Et il a tout fait tout seul, bas. Bien sûr qu'il a mérité son but là sur cette action. Et si on peut faire un clean sheet en plus dans ce match, ça serait encore meilleur. Ah oui. Oh, Colomoigny pour le 6e ou pas? Ah oui. Aïe, 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 aïe. On met un 7 à Angers. On met un 7 complet à Angers. 6-0. Incroyable match. Allez, fini. On arrête le massacre ici. Pour les Angevins, triplé, coup du chapeau de Colomoigny, but doublé de Palois et but de bas. Au moins, on a tout le monde qui a marqué, même un défenseur qui a marqué deux fois. Que dire, là, on a surdominé ce match incroyable. Je sais même pas si je vous ai fait des coupures dans la deuxième mi-temps. Bon, en tout cas, pas beaucoup. Le petit moment de vidéo, l'épisode précédent, du prochain épisode va être long. 16 tirs à 11. Pardon, 16 tirs à 5, nous on a cadré 11 tirs, on a fait 0 faute. On n'a pas fait plus de passes que, mais qu'est-ce qu'on a été fort, qu'est-ce qu'on a été fort. On a dominé complet. Statistiques individuelles. On va regarder Colomoigny, il a été que dans l'axe. Nicolas Palois, il a été devant pour marquer ses deux buts. Lafont, il a dû rien toucher, le pauvre. Il a touché 4 ballons, Lafont. Colomoigny, il a dû toucher un nombre de ballons, 19 ballons touchés pour Colomoigny. Coco 7 ballons touchés, 17 pour Pereira Dessa. On a plein de 22 ballons touchés pour Palois. Oh, on a détruit Angers.
Et Limbombé qui est rentré en jeu, faut que j'arrête de dire Limbombé, c'est Limbombé qui est rentré en jeu, il a quand même touché 5 ballons. il a joué 29 minutes, il a touché 5 ballons, il a fait un centre, il a fait 5 passes, donc autant dire que c'est pas mal. Et bah dis donc, quel match! Est-ce qu'on a un joueur en particulier qui était partout? Coco qui est bien resté sur son côté. On a Pereira Dessa, il était au milieu, il était partout au centre. André Giroto pareil. Les trois là, les trois milieux, ils ont fait que des allers-retours attaque-défense. Incroyable. Oh là 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 là, 6-24-8. Et bah du coup on est deuxième, deuxième meilleure attaque du championnat et deuxième meilleure défense. Donc, première meilleure attaque à égalité même avec le PSG. Waouh. On se prend à plus, on était à plus 12. On finit à plus 18. Incroyable. Allez, faut maintenant ce match est passé. Faut se concentrer sur la suite. Et notamment ce match face à Metz, à domicile cette fois-ci. Pourquoi on peut pas faire ça à domicile? Sérieusement, les gars. Si on peut faire la même face à Metz, ça serait incroyable. Angesco vaincu. Colomwani souriait au moment de commenter le match. Je sentais qu'on allait gagner aujourd'hui et je suis très content d'avoir eu raison. Ouais, mais là, c'est même plus gagné. Là, on a étripé Angers. Là. Négociation avec Perardessa, avec Fabio. C'est Red Bull, Bragantino et Lorient qui veut recruter Perrin Dessa. Moutoussami, son changement de rôle. Il se débrouille comme leader Moutoussami. Résultat du recruteur, récupération totale pour Blas. Ça c'est bien. Et du coup on a des offres qui ont été faites pour Perrin Dessa. Mais Perrin Dessa ça part pas les gars. Ça part pas Perrin Dessa. Il a 26 ans, il va pas partir. Jean s'était vu. Wagge, on avait une offre justement de danger, donc à voir, faudrait trouver un décès pour suppléer. 9 pour Fabio également qui a 32 ans du côté du Red Bull Bragantino. DG Juan Bernat du côté du PSG, ce serait incroyable d'avoir Juan Bernat, mais faut un peu se détendre je pense. Ramalho du côté du PSV Eindhoven. Levron Mayer du côté de la Ligue 1, forcément du côté de Rennes. Duverne côté du Stade Brestois. Stade Brestois, ça peut être intéressant, ça par contre. Duverne, ajouter aux joueurs listés. C'est le... Alors moi, je fais pas forcément une expertise complète des joueurs, mais je vois que Duverne, c'est un profil, c'est un club équivalent un peu à Angers. C'est des joueurs qui ont en dessous de 25 ans, qui ont des bonnes stats, puisqu'il a 63 de général, donc ça veut dire qu'il a 73 sur le jeu classique, donc c'est pas mauvais. Donc je prends, je garde de côté. La composition pour affronter le FC Metz de Frédéric Antonetti, Lafont, Castelletto, Palois, Fabio, Appia, Moutoussami, Cyprien, Pereira Dessa en MO, Coco à droite, Limbombé à gauche et Koulibaly en pointe sur le banc, le retour de Blas, Simon Boucard et Colomwani sur le banc, Crivella, Bakor, Chiatra, Auré, Moustache, Wagué sur le banc. C'est parti pour ce match face à Metz, je regarde juste les maillots, on est bon, je pense qu'on va laisser... Ah, quoique Metz, on va peut-être les passer en blanc. Blanc ou noir? Noir, on l'avait passé en noir. Et on est parti pour ce match face à Metz. Allez, c'est parti à Nantes. Le stade aurait pu être un peu plus plein, puisqu'on vient de faire quand même une victoire 6-0 face à Angers. Ça aurait pu attirer les spectateurs. Il n'en est rien. Le stade est presque vide du côté du FC Nantes, à moins que je n'ai pas vu les tribunes latérales. Mais je crois que le stade... Oh non, il y a quand même les côtés gauche et droite qui sont remplis derrière les buts. Allez, on est parti pour ce match. Est-ce qu'on peut faire le même que face à Angers? Je dirais pas non. Mais on se rappelle aussi du début de match face à Angers qui était compliqué. Donc, par contre, l'arbitre en noir, merci, mais enfin, Metz joue pas à 12 quoi. Oh, pour Koulibaly! Oh, ça passe juste au-dessus. Et la tête de Koulibaly à la 21ème minute de jeu qui frôle la barre. Mais malheureusement, ça ne donne rien pour l'instant. Et Margoton qui disait à l'instant justement que l'attaque nantaise avait été très prolifique au dernier match. Forcément 6-0, c'est prolifique de ouf. Il faut la rentrer celle-là. Ah, elle rentre pas, elle est contrée par le mur. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Et ça fait 1-0. Ouverture du score 5 minutes avant la mi-temps. Et c'est Koulibaly qui nous permet de prendre l'avantage. Et Zizou, il est content. Ça fait 1-0 face à Metz. Et sur le coup franc, déjà le coup franc était pas loin de passer. Et Coco finalement sur... il avait le temps pour centrer, il s'applique. Et le centre est très bon et la tête au premier poteau l'est tout autant. Allez, on retourne au vestiaire. 1-0 pour l'instant sur cette tête de Koulibaly, sur un service parfait de Coco. Et on a déjà 4 tirs à 1. On n'a toujours pas la possession dans ces matchs, mais qu'est-ce qu'on domine? Là, Limbombé, le centre de Limbombé un peu forcé.
Elle a frappé, regardez ça! Et ça fait 2-0! Oh oui! Oh qu'il est beau celui-là en première intention! Contrôle et frappe directe, quelle puissance! Juste avant l'heure de jeu! Oh, il est beau celui-là! Oh qu'il est beau! Et ça fait 2-0 déjà! Oh, elle a frappe, elle est partie à une vitesse, mon gars! Oh là là! Elle est belle pour Colo. Colo, tu as le temps. Ah, oh, tranquille, celle-là, 3-0. Et je crois qu'on est en train de mettre une deuxième fessée de suite, là. Je n'ai pas changé le niveau de jeu. En fait, pour vous expliquer, là, j'ai juste un peu changé mon style de jeu ce week-end. Je joue plus pareil, j'essaie d'être plus... en première intention. Et vous voyez que ça change. Que là, il y a vous voyez, ces styles de passe là, je l'aurais pas fait. La frappe là non plus, j'aurais pas forcément fait il y a 2 semaines. Et j'essaye de changer de style de jeu. Apparemment, ça paye, mais si ça commence à trop payer, je changerai de niveau de jeu. Pour pas que ça soit trop facile. Oh, Limbombé, bien joué. Oh, tu remontes, Limbombé, tu remontes. Tu remontes, mon garçon. Oh, tranquille celle-là. Ça fait 4-0. Et que l'Omoni qui rentre, qui marque. Parfait. Ah là 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 là, ça fait 10 buts en 2 matchs là. Voilà, vous êtes servi là. Je sais pas de le. En vrai, après, on joue le milieu de classement. Hein. Angers c'était 11e. Metz c'est 12e là. Lorient c'est 15e. Donc c'est. Est-ce que c'est étonnant vu la performance qu'on fait depuis le début de saison avec Nantes? Je pense pas. Allez, on va dégager ça. C'est la fin du match. 4-0, Koulibaly, Pereira Dessa, Limbombé, Kolo Muani. On a tout le monde qui marque dans cette équipe, c'est incroyable. On se tire à 1, Metz n'a rien fait du tout du match. 7,5 pour Limbombé en note. Limbombé qui est en train de se faire une place dans l'effectif. Limbombé, combien de ballons touchés? 14. 12. On a moins de ballons touchés quand même. Apia 16. C'est qui a 16 aussi? Pereira Dessa, mais globalement encore des joueurs qui... qui ont été bons à leur poste. On voit encore Moutoussami, Cyprien, Pereira Dessa très, très en piston un peu. En attaque, défense, la milieu. Ils ont fait que des allers-retours encore une fois. Coco sur son côté, Koulibaly à sa place, Kolo Muani également. Et Limbombé, qui est bien resté en avant-centre gauche. Donc rien à dire. 60 mètres de distance dribblée quand même pour Limbombé. Allez, on va voir au classement ce que ça donne. Faudrait pareil, que Paris fasse une petite défaite un jour là. 3-0 pour Lille, 3-0 pour Nice. Paris qui gagne 4-2 face à Rennes. Lyon qui perd encore. On va bien, on est en train de prendre le large. On est à 6 points là. On a pris 6 points d'avance sur Lyon. Et on est du coup là. On est la meilleure des. Non, on est toujours la deuxième meilleure défense. On est toujours à égalité de la deuxième meilleure attaque avec Paris. Paris qui a aussi marqué 4 buts. On est en train de faire un carnage. On a marqué, on était à 18, nous voilà à 28. On fait un épisode parfait là. Match face à Lorient maintenant. Comme je vous l'ai dit, hein, je coupe le match face à Lorient. Et puis, je vous montre les buts s'il y en a. J'ai dû devrait y en avoir, je pense, face à Lorient là. C'est un autre derby encore. Et il devrait y en avoir, je pense, des buts face à Lorient. Puisque Lorient là a reperdu. Non, ils ont gagné, pardon. Ils sont remontés. Ils sont 14e, juste derrière le FC Metz. Et nos amis en juin, qui en a mis une raclée, là, compris 6 buts, là, ils sont 10e. La composition pour ce nouveau derby face à Lorient, quelques changements, puisque dans 3 jours, on joue Lyon, donc ça sera l'épisode prochain. Descamp dans les cages, Wagué et Castelletto en défense centrale. Corchia à droite, Traoré à gauche, William Cyprien et André Giroto en milieu relayeur, milieu défensif et Cyprien en capitaine. Le retour de Blas en titulaire en milieu offensif, Simon à gauche, Boukari à droite à la place de Coco et Kolo Muani devant. Sur le banc, Koulibaly, Limbombé, Coco, Merlin, Crivella, Apia, Fabio, Ba, Moustache, Palois, Lafont forcément puisque je ne l'ai pas mis titulaire au poste de gardien. Je fais ce match face à Lorient, on se retrouve au résultat, j'espère qu'on va marquer au moins 2 buts. Ça serait bien dans cet épisode, ça ferait déjà même 12 buts marqués en 3 matchs, ça serait énorme. Vous le voyez à l'écran, fin de la 18e journée face à Lorient et finalement que 1-0 face à Lorient. On a certes surdominé ce match puisqu'on a fait 10 tirs à 4, on en a cadré 7. Il y a eu un très bon gardien,
très bon gardien à l'orienter en tout cas, parce qu'il a fait 4-5 arrêts, je crois, qui ont été vraiment décisifs. Parce qu'il y a eu des moments où j'étais tout seul avec Koulibaly et il y a eu deux moments où j'étais tout seul avec Koulibaly et c'est pas rentré. Ça a été vraiment une petite claquette au pied du poteau gauche. Donc 1-0, mais ça aurait pu en faire 3 largement si le gardien n'était pas dans un grand jour. En tout cas, je crois qu'on est du coup. Paris qui met un 5-3 face à Clermont. Waouh! Non, on n'est clairement pas la meilleure attaque, du coup on l'a été à un moment du match, puisqu'à la mi-temps on nous a dit qu'on était la meilleure attaque du championnat, mais du coup ce n'est plus le cas, puisque Paris a gagné entre temps. Lille a mis un 4-0 à 3 également, 3 qui est un peu en panade là. Ils sont derniers les Troyens, ils ont pris, pareil je crois, 7 buts en 2 matchs. Nous on est deuxième, j'ai cru qu'on était Lille à l'instant, je dis bah mince on est quatrième, non pas du tout. On est deuxième, on a toujours 6 points d'avance sur Lyon, du coup Paris a remarqué 5 buts en plus. On est du coup la meilleure défense, que Paris a pris un but et nous non, on n'a pas pris de but dans cet épisode, donc ça c'est ultra positif. Paris a pris un but, ils ont que 26 de différence de but, nous on a 23, donc on est juste derrière. La semaine prochaine, on aura un match face à Lyon, face à Reims et face à Lille en Coupe de France. On a eu des news concernant Corchia dans les messages. On a une offre d'emploi au CA Binfield, on a une offre d'emploi au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, les annonces d'emploi, on va les refuser. On va pas les prendre, ces offres d'emploi. Donc il y en a une à la Liga Professionnelle de la Football. On ne la prend pas. Corchia, il n'y a pas question qu'il parte pour l'instant. Il n'y a pas de... Non. Corchia, il joue chez nous. Il est bien chez nous. On verra pour tous ces transferts-là, du coup, la semaine prochaine. On en a mis de côté. Donc, pour les recrutements, renforcer les faiblesses, etc. Là, on en a plusieurs. Du côté de l'Argentine, ça a du mal. Donc là, on va retourner en Europe pour M et MR. On va peut-être même, d'ailleurs, au lieu de l'Europe et au lieu de Milieu, on va mettre DC. Ok, aussi on a un départ de décès, donc on va laisser comme ça. Et puis voilà, donc la semaine prochaine, Lyon, Reims, Lille en Coupe de France. Donc je pense qu'on jouera les 3 matchs. Je vous mettrai les 3 matchs à l'écran et peut-être qu'on en fera un quatrième sans. Quoique c'est Nice, à voir. A voir sur le moment. Pour l'instant, on fait 3 matchs la semaine prochaine, puisqu'il y aura le mercato, donc ça peut être un peu plus long aussi. 3 ou 2 matchs en fonction de ce qu'on aura. Mais j'espère au moins pouvoir aller jusqu'à la Coupe de France face à Lille. Puisque c'est le deuxième tour de Coupe de France, hein, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Troisième tour, pardon. On a déjà passé un tour. On avait déjà passé un tour en Coupe de France. Donc on s'arrête là les amis. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je tenais à vous remercier particulièrement pour le tuto patch qui est sorti samedi. Puisque vous avez juste explosé mon quota d'habitude de nombre de vues sur une vidéo. Et puis mon quota de likes aussi. Je sais qu'à chaque fois les tutos ça fonctionne. Je sais aussi que vous en redemandez tout le temps. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire tous les samedis. Donc samedi prochain, je sais pas encore quel tuto je vais faire, j'y réfléchis là. Normalement les tutos je les tourne le jeudi ou le vendredi, là peut-être que je vais tourner plus tôt si j'ai une idée plus tôt. En tout cas je voulais vous remercier pour tout ça. On a passé les 1500 abonnés, on est plus proche des 2000 que des 1000, donc c'est cool. J'espère atteindre les 2000 abonnés un jour, ce qui serait vraiment incroyable pour ce que je fais, parce que je fais que du PES 2021 hors ligne, donc c'est la spécialité de la chaîne, c'est que du hors ligne, donc je trouve ça déjà incroyable qu'on soit 1556 au moment où je tourne à suivre toute cette aventure, même si tout le monde ne regarde pas. En tout cas j'ai 1500 abonnés, je vous tenais à vous remercier. N'oubliez pas également d'aller faire un tour sur le site de MyYogo, le partenaire de la chaîne que vous voyez maintenant en dessous de la webcam depuis quelques temps. Vous avez moins 15% avec le code RAF et à partir du 20, comme vous l'avez vu en début de vidéo, il y a une sorte de Black Friday sur le site avec deux maillots achetés, etc. Il y a des offres, il y a plusieurs offres et il y aura aussi un jeu concours pour Noël sur mes réseaux. Vous verrez sur lequel en particulier. Les amis, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup. N'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu. Ça aide pour le soutien et ça motive vraiment pour continuer. On se retrouve la semaine prochaine avec le FC Nantes. On se retrouve vendredi avec l'Atletico et puis samedi pour le tuto patch. Les amis, c'était RAF PES. Bonne fin de journée à vous. Ciao.